Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit que je trouve vraiment excellent. C'est le Mantis X10 Elite. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce euh, qu'avec cet appareil, on peut s'améliorer au niveau du tir Voilà, tout simplement. Avant de démarrer, bien évidemment, générique. Alors, le Mantis X10 Elite, déjà, qu'est-ce que c'est c'est un système électronique intelligent qu'on va fixer sur l'arme et qu'on connecte à une application, que ce soit sur un smartphone ou une tablette, et qui va en fait permettre d'analyser votre tir. Alors, la version X10 propose plus d'analyses que les versions X précédentes, bien évidemment. Plus on monte, plus on s'améliore. Euh, ça étudie la sortie de l'arme de l'étui, le recul de l'arme. C'est compatible au calibre 12 et également à l'arc. Donc vous voyez que c'est vraiment un appareil qui est super complet. Alors je ne vous présenterai bien évidemment pas toutes les fonctions parce que ça, ça serait vraiment super super complet. Par contre, c'est juste pour vous présenter le produit et euh, bah vous dire que. Et répondre surtout à la question. Hein, comme je vous disais, est-ce qu'on peut améliorer son tir Alors, dans un premier temps, on va connecter le Mantis X10 au rail Pika que vous avez sur votre arme. Alors en fonction effectivement des armes, c'est des fois un petit peu plus dur que d'autres. Voilà, donc il y a un sens. Hein. Dans un sens ou dans un autre, après on le paramètre directement sur l'application. On l'allume. Voilà, donc il suffit d'appuyer sur le bouton. Là, vous voyez qu'il est allumé. Et sur la tablette ou sur le téléphone, eh ben, je vais simplement appuyer sur se connecter. Bien évidemment, au préalable, j'ai créé un compte. Mais ça, c'est logique. Vous installez l'appli, vous créez un compte. Et ensuite, on se retrouve sur ce genre d'interface où on a eh ben, énormément de paramétrages, énormément de possibilités. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous démontrer un petit peu, enfin vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a une partie entraînement libre, on a une partie que j'adore qui est un entraînement libre à sec. Donc en fait, si vous voulez, on n'a simplement pas mis de cartouche dans le chargeur. Par contre, on peut malgré tout faire une simulation de tir à sec. Donc ça permet effectivement de voir si on a bougé la main, de voir un petit peu comment ça se passe. Donc là par exemple j'ai un taux de 89,7 sur 100 et ça me met que ma prise en main est trop ferme, donc je serre trop la poignée de mon arme. Donc bah ça permet d'identifier les points à améliorer et de suivre effectivement pardon les progrès que bah vous allez faire en temps réel. On peut Suivre le score de chaque coup individuellement et analyser, on va dire, les tendances. Vous avez le détail des mouvements. Le bleu, c'est la tenue et l'observation. Le jaune, ça sera le tir. Le rouge, ça sera le coup de feu et le motif du recul. Donc vous voyez que c'est vraiment super complet. Donc chaque tir est marqué en fonction de la distance par rapport à la position de visée lors de la détente. Le score parfait, bien évidemment, est de 100 ça ça s'invente pas donc le Mantis X10 détecte la direction du mouvement du canon lors de la détente donc si vous avez tendance à tirer à gauche le secteur gauche va s'allumer sur euh, sur l'application si vous avez tendance à tirer à droite et eh ça s'allumera sur la droite donc là vous voyez que j'ai un score de 96 ça me met que j'ai un excellent tir mais malgré tout je suis quand même légèrement sur la gauche d'où le score qui n'est pas à 100 après vous avez Différentes analyses hein, avec les couleurs, hein, comme je vous disais, la tenue de l'arme et tout ça. Et en fait, là ce que vous voyez, toutes les couleurs, le bleu, le rouge, c'est juste avant que j'appuie sur la détente. Et la couleur blanche, eh c'est au moment du tir. Donc vous pouvez sélectionner gauche et droitier. Donc comme je vous disais, le tir à sec ou alors avec munitions. Donc là on a basculé, là maintenant on passe avec des munitions. Voilà. Et donc après c'est pareil, on va pouvoir analyser directement sur l'application. Donc là, c'est un bon tir. Donc bon, jusque là, je m'en sors pas mal. L'objectif, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer au maximum vos tirs et l'avantage de cette application, c'est qu'elle va vous dire pourquoi le tir était moyen. Ou bon, ou raté, mais en tout cas, il vous donnera l'explication. Donc là, on va en faire plusieurs. Voilà, n'oubliez pas bien évidemment dans le chargeur de remettre l'autre drapeau. Consigne de sécurité. Et on va voir le résultat. Donc vous voyez que là, euh, mon dernier tir, c'est un bon tir, mais je suis malgré tout toujours à gauche. Après, il suffit voilà, de cliquer, ça me dit quoi Que mon index est trop court. Donc c'est-à-dire que euh, mon doigt, je le place trop court par rapport à la détente. Donc et ben ça, ça va être une opération qu'il va falloir bien évidemment que je corrige. Et. L'autre problème, c'est que j'ai la main trop serrée de nouveau sur la poignée. Donc voilà un petit peu les soucis que je peux rencontrer moi personnellement dans l'immédiat. Deuxième séance, donc là toujours pareil, on va regarder donc, le résultat au niveau de l'application. Donc là vous voyez que là j'ai affiché mes cinq derniers tirs avec les cinq derniers résultats. Donc vous voyez qu'il y en a un par exemple à 91. Hop. Voilà, donc le premier, ce que je vous expliquais en fonction des couleurs, hein, c'est le mouvement et le blanc avec la croix, c'est au moment du tir. Ça c'est super important. Et donc, toujours euh, la partie rouge. Hein, donc, euh, moi je suis vraiment à gauche. Ça il va vraiment falloir que je corrige. Toujours mon problème d'index trop court. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, ça vous permet de faire vraiment des bonnes séances d'entraînement et de voir où est vraiment votre souci et essayer de l'améliorer au maximum. Alors, on peut également faire des séances chronométrées. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Donc là au niveau des résultats, c'est quand même nettement moins bon au niveau de la moyenne de tir. Mais bon, après c'est quelque part c'est logique. Mais c'était juste pour, en fait pour vous montrer qu'on a vraiment de nombreuses possibilités avec euh, ce Mantis X10 Elite et avec l'application. Bien sûr, je vous conseille effectivement de faire au maximum de précision avant de vous lancer à faire ce genre de choses. Vous voyez, qu'au niveau j'ai 58,2 de moyenne, c'est vraiment pas terrible. Alors on va faire une dernière séance où je vais vous montrer le mouvement de l'arme. Donc toujours pareil en, en rapidité, en chronométrie. Donc vous avez pu voir hein, comme petit rappel que je vous disais, hein, la croix blanche, c'est au moment du tir. Donc vous avez vu que moi j'avais quasiment mis tout, absolument tout, en bas à gauche. Et ça se revoit effectivement sur le graphisme définitif. Vous voyez qu'effectivement poussé vers l'avant, fléchissement du poignet vers le bas, etc., etc., Donc après je peux analyser effectivement chaque tir, ce qui me permettra bah, de voir en fait toutes mes erreurs. Alors en résumé hein, concernant ce Mantis X10, donc il a monté sur un rail, mais Également, si votre arme ne possède pas de rail, il y a de nombreux adaptateurs qui sont disponibles. Alors déjà, il y en a dans la boîte pour mettre sur les canons de carabine. Mais sinon, il y a effectivement des accessoires qui peuvent s'acheter pour se rajouter. Et donc c'est compatible avec n'importe quelle arme ou calibre 12, comme je vous disais tout à l'heure, mais également tout ce qui est arbalète. Donc l'application est en français, iOS ou Android, et se télécharge gratuitement. Euh, le Mantis se recharge par câble, donc micro-USB. Il y a un étui rigide pour protéger, donc ce mentis et bon, la garantie, c'est garanti un an. Bon, il est quand même à plus de 300 euros, donc après, c'est à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Euh, maintenant, quant à la question, donc, peut-on s'améliorer avec cet appareil euh, Bah, c'est un grand oui car ça vous permet d'analyser, comme vous avez pu voir, chaque tir. Euh, J'en fais un tir, je regarde effectivement le mouvement du canon au moment du tir si je bouge de trop. Donc ça me permet de verrouiller un peu plus mes poignets et de maintenir mon arme vraiment bien droite. Ça me permet de voir si je sers trop ma crosse. Ça me permet de voir si ma, mon doigt est mal placé sur la détente. Ça permet de voir si je donne des coups de doigt, etc. etc. Donc c'est un appareil qui est vraiment excellent. Et qui vous permettra bah, de vous améliorer tout simplement au tir. Voilà. Alors, c'est une petite présentation un peu rapide parce qu'effectivement, il y aurait quand même pas mal de choses à dire. Il y a énormément de fonctions que je ne vous ai pas montrées. Maintenant, le problème, c'est que la vidéo, elle durerait beaucoup trop longtemps. Donc, ce n'était pas le but, non. Donc, bah, je remercie le stand de tir, le complexe du tir sportif qui est basé à Venin dans le Vaucluse, qui m'a permis bah, de réaliser cette vidéo dans le stand. Euh, N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires. À liker, à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, bye bye.